les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une matinée super, super chargée. Du coup, aujourd'hui, on est lundi, Annie a normalement école. Bon, c'est ce qu'on pensait parce qu'au début, je voulais faire une routine matinale de l'école parce que depuis que Mathis est né, j'ai pas fait de vidéo sur une routine matinale, comment je m'organise. Vous avez été nombreuses à me demander ça. Donc, du coup, j'ai voulu faire la vidéo, mais ça n'a pas été comme je voulais parce que dans cette journée, il y a eu tellement d'imprévus. De toute façon, quand on est maman, on n'a pas de routine. On peut essayer de programmer comme on veut, mais ça ne se passe jamais comme on a planifié parce qu'il y a tellement des imprévus dans la vie d'une maman. Donc les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous plaire. Comme tous les matins, c'est mon réveil qui me réveille, d'où son nom d'ailleurs, parce que si ce n'est pas le réveil, je ne me réveillerai pas, parce que Mathis, il avait commencé très très tôt à faire ses nuits, mais ensuite, il est tombé malade, il était enrhumé, du coup, c'est retour à la caisse départ, il se réveille encore deux fois dans la nuit pour manger ou pour ne pas dormir, donc du coup, ça fait que mes nuits ne sont pas terribles, vu que je ne suis pas habituée à ça. Donc, lorsque mon réveil me réveille, je me lève, je vais réveiller Annie et je m'habille. Et en même temps, ça trouve que Mathis, il est en train, dès que je me lève de toute façon, il se lève, vu que Stéphane n'est pas là, il dort à côté de moi souvent. Donc, dès que je me lève, il se lève aussi. Donc, je les amène, j'en profite. J'amène Annie et Mathis dans la salle de bain et on passe du temps. Je change Annie, je la coiffe et je change Mathis. Alors, avec l'arrivée de l'hiver, mes enfants ont eu des petits soucis de peau. Annie avait toujours la peau sèche et Mathis, pareil, il a eu des petits boutons sur la joue qui étaient tout rouges en plus. J'ai utilisé plein d'huiles qu'ils m'ont conseillé à la pharmacie, des huiles de grande marque et tout, mais rien à faire. Et donc, j'avais ma grande sœur qui m'avait préparé un peu de beurre de karité fait maison. Du coup, j'utilisais sur Mathis, sur sa joue, et ça fait partir ses boutons. Là, j'utilise sur Annie, sur Mathis, sur ses cheveux. Voilà, c'est ce que mes enfants utilisent en ce moment, et ça marche très très bien, et ils tolèrent très très bien ça. Et voilà, même moi-même, je m'y mets. Quand je me lave, je mets ça. On va aller préparer le petit déj. Oui, venez, suivez-nous. Ouais, c'est de la déj. Alors le matin, Mathis, il est très très calme. Je l'installe dans son transat et puis je le mets pas en marche parce que maintenant qu'il s'assoit, il bouge beaucoup. J'ai peur qu'il tombe. Et même là, il s'assoit, il ne veut pas s'adosser. Donc, du coup, je le laisse comme ça, puis j'ouvre les volets. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de rideau. Après que la cuisine est brûlée, il y a plein de fumée. Tout n'est pas encore nettoyé. Mathis est là, moi, les volets sont ouverts. Et maintenant, on fait les petits déjeuners. Je me demande, il y a quoi pour le petit déjeuner? C'est mon repas préféré. Pour le petit-déj, le jour où Annie a école, ce n'est pas les grands plats qu'on mange. Nous, c'est plutôt le week-end où je fais tout ce qu'il faut pour elle. Mais le matin, dans la semaine, c'est tout simple. C'est du lait avec
du pain au lait qu'elle prend pour aller à l'école. De toute façon, elle ne mange pas beaucoup et moi, c'est un thé avec une tartine. Sinon, je prépare des œufs avec du pain.
Bye.